Salut les gaufrettes! Voilà 2 semaines qu'on s'est vus et j'ai encore pas mal de recettes à vous partager. Mais aujourd'hui, on va tester ensemble une recette du chef Grégory Cohen. Un chef sportif au grand cœur. Champion de France de polo pour la première fois en 2008, il s'investit également dans plusieurs associations afin de changer l'alimentation en milieu hospitalier. Vous avez pu le voir dans les émissions « Chérissez-moi le chef » ou encore « Grand bien vous fasse ». Alors, méga pression pour moi aujourd'hui. Découvrons cette recette ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de mains et go cuisine! Il faudra 90 g de Nutella, 500 g de farine, 60 g de sucre en poudre, un demi-cube de levure boulangère fraîche, un œuf plus un jaune, 50 ml d'huile neutre, 180 ml d'eau, une cuillère à soupe de sel et quelques éclats de noisettes. Dans le bol de mon robot, je verse la farine, le sucre, la levure émiettée, un œuf entier et l'huile. Je place le crochet et j'active à la vitesse 4 pendant quelques secondes. Puis, avec le robot toujours en fonction, je verse l'eau progressivement et laisse pétrir pendant encore 3 minutes. J'ajoute le sel et continue à pétrir pendant 3 minutes. Je te l'ai déjà dit, mais petit rappel, le sel ne doit pas être en contact direct avec la levure, sinon on perd toutes les propriétés de pousse. Je façonne la pâte en boule et la place dans un saladier. Je laisse pousser pendant environ 2 heures dans un endroit chaud et sec. Les temps de pousse sont à titre indicatif. Dans tous les cas, la pâte doit doubler de volume. J'étale la pâte sur un plan fariné afin de former un grand rectangle. J'étale le Nutella sur toute la surface en laissant 1 cm sur chaque bord et ajoute les éclats de noisettes. Je roule la pâte en partant du petit côté et taille les bords. J'enveloppe dans un film alimentaire et réserve au congélo pendant environ 20 minutes. Je coupe le rouleau en deux et dans le sens de la longueur. Je tresse les deux morceaux. Je place la tresse dans un moule à cake et badigeonne avec le jaune d'œuf. Je parsème de quelques éclats de noisettes et ça part à nouveau en pousse pendant 30 minutes environ. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Une chouette recette de chef issue de son premier livre en solo. Un livre super qui explique toute l'histoire de Nutella, notamment que la marque utilise une huile de palme totalement traçable et certifiée RSPO.
ce qui garantit qu'elle ne provient pas de plantations soumises à la déforestation. Alors je le savais, mais je pensais que c'était tout récent. C'est depuis 2015. C'est sur cette information qu'il est temps de nous quitter. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.